de la conférence de presse donnée par la brigade des stupéfiants ce matin, nous avons appris l'arrivée d'une nouvelle drogue appelée Blood Heat. Elle se répandrait actuellement depuis la côte ouest à la vitesse d'une épidémie dans tout le reste des États-Unis. Selon les rumeurs, son absorption ferait quintupler de façon fulgurante la capacité du moindre muscle. Nous savons aussi qu'une seule prise suffit au Blood Heat à créer une forte dépendance. À ce jour, il n'existe aucun traitement efficace pour aider au sevrage. La brigade des stupéfiants a annoncé qu'elle allait renforcer sa surveillance. La police a découvert en grande quantité de la drogue baptisée Blood Heat, cachée dans du matériel informatique en provenance du Japon. La brigade des stupéfiants, dépendant du ministère de la Justice, aurait en main plusieurs indices laissant croire que des firmes d'origine japonaise pourraient avoir aidé à lancer le Blood Heat sur le marché. L'enquête suit son cours. Martial rendra sa décision la semaine prochaine. Il a désobéi aux ordres. Il va en prendre au moins pour 5 ans. Et dire qu'il faisait partie des SEALS, l'unité spéciale. Suite à l'augmentation soudaine du trafic de stupéfiants, les autorités japonaises prennent cette nouvelle affaire au sérieux et prévoient une collaboration avec la police américaine. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils t'ont amnistié. Ça vient du ministère de la Justice et celui-là de la Défense. Alors quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous devez le libérer. Ouvrez-lui, vous êtes sourd. Amnistié et libéré, je suis venu ici, au Japon. Je travaillais avec Katsuragi, l'homme qui est venu me chercher en prison, pour une agence gouvernementale secrète qui luttait contre le trafic du Blood Heat. Le Japon était plongé dans un marasme économique depuis plus de 20 ans. Les immigrés clandestins et les chômeurs vivaient dans des zones industrielles en ruine. Ces zones ne faisaient partie d'aucun pays. Elle n'était même pas répertoriée sur les cartes. Dans ces zones, la drogue et les tripots clandestins se répandaient comme une épidémie. L'arène de la mort, où se déroulaient les nouveaux jeux du cirque, était un de ces lieux de perdition. Dans l'arène, il n'y avait aucune règle. Le combat s'achevait avec la mort d'un des adversaires. Les gens qui avaient été rejetés par la société y pariaient de fortes sommes d'argent et jusqu'à leur assurance vie dans l'espoir de devenir riches tout de suite. Celui qui gagnait, en plus de survivre, pouvait commencer une nouvelle vie. Je suis le meilleur !
Viens pas toi. Sa progression, la police a ouvert une enquête de grande envergure afin de trouver les responsables. Plusieurs personnes viennent d'être interpellées. La majorité est issue de la mafia, qui est soupçonnée une fois de plus d'être à la tête de ce réseau. L'utilisation du Blood Heat intéresse maintenant les consommateurs de la classe moyenne. Il devient urgent de prendre de nouvelles mesures pour le traitement de cette nouvelle catégorie de consommateurs. Encore le même rêve. Je voudrais te poser une question. Pourquoi t'as désobéi aux ordres? Aux États-Unis, t'étais dans la marine. Et faire partie des SEAL, c'est pas rien. Tu veux rien me dire? Tu sais, Joe, il ne doit pas y avoir de secret entre nous. Si t'es tué, tu ne seras plus qu'une pauvre dépouille. Et il n'y aura personne pour te regretter. Ces histoires duraient toujours des siècles. Et pourquoi ça? Parfois, j'avais du mal à le suivre. T'es juste un corps. T'es rien qu'un bout de chair. Les droits de l'homme, ça fait un bail qu'on n'est plus concerné. On a choisi de bosser dans l'ombre. C'est un boulot très ingrat. Lutter contre le mal, c'est tout ce qui nous est demandé. On reçoit jamais de médaille, personne ne nous connaît. Si on se fait tuer, c'est dans l'anonymat. Tu trouves pas que c'est déprimant? Donc la seule personne sur qui on peut compter, c'est sur son coéquipier. Coéquipier? Ouais. On est des potes de galère. Pas vrai? Tirez-moi! Ce sont des gosses! Ils avaient pas 15 ans. Qui? Les tireurs qu'on devait tuer, il n'y en a pas un qui avait la majorité. On avait tué leurs parents sous leurs yeux. Hein? Joe. Dis-moi, t'as une copine dans le coin? Non, ça m'étonnerait. Si tu t'en sors entier ce soir, je connais une fille qui devrait te plaire. Prends ça. C'est un porte-bonheur que j'ai jamais quitté. Ça peut te servir. C'est ma jeune sœur. Alors, quoi de neuf?
C'est l'heure d'y aller. On va danser, Joe? Welcome to Japan. Have a seat. Fucking A, Blood Heat. Blood Heat, отличное качество. Try it. Попробуйте. Босс, торучите мне это. Party upstairs. Back up, okay? Hold on. Hey, you, the ninja, right? And you are the samurai. Okay, we get the two of you together. Who's stronger? Two of you. Okay, now, I'm stronger than either one of you. Okay, I can take you both. I can take you all on. Come on, okay, we go outside. We have vodka first, and then I kick the shit out of you. How about it? Okay, we'll just go upstairs, and I will tear you guys apart. How about it? Shut the fuck up, Kavir. So, 150 is the price. Oh shit, my white shoes. Ладно. Okay. Thank you.
J'aurais pas dû lui donner mon porte-bonheur. Hey, toi! Dis-moi qui tu es. T'es pas d'ici, t'as pas la tête. T'es japonais? Tu serais pas plutôt américain, hein? On s'en tape. Butez-le. D'après le ministère de la Santé, des organisations criminelles chinoises pourraient être impliquées dans le trafic de la nouvelle drogue. De grands groupes contrôlés par la diaspora chinoise viennent de prendre possession de plusieurs sociétés japonaises. Il semblerait que l'industrie nippone se dirige vers d'importants changements prochainement. Monsieur Lai, votre frère vient d'arriver de Hong Kong. Kenji, tu as fait du bon travail. C'est grâce à vos précieux conseils. C'est une très bonne chose que tu aies hérité la docilité de notre pauvre mère. Bien. Dis-moi comment se porte notre affaire. Jusque-là, tout baigne. Tu verras. Bientôt, le monde entier se prosternera devant nous. N'ai-je pas raison? Si. Tu peux nous dire où nous sommes? Dans notre Eldorado. Notre Eldorado? Qu'est-ce que ça donne? Ça roule. Soyez le bienvenu, monsieur Lai. Veuillez me suivre. Cette arène de la mort est à nous. Une arène de la mort? Qu'est-ce que c'est? Entrez, vous allez comprendre. Si vous le dites. Vous voyez, des combattants du monde entier viennent chez nous. De la société viennent ici tous les soirs, dans l'espoir de s'en mettre plein les poches, sans le moindre effort. Quant à nos champions, ils n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu pour toucher la prime.
On reçoit jamais de médailles. Personne ne nous connaît. Si on se fait tuer, c'est dans l'anonymat. Tu trouves pas ça déprimant? Mon coéquipier. Je recherchais mon coéquipier. C'était la deuxième fois que je désobéissais aux ordres. Prépare-toi à souffrir. Dépêche-toi de le descendre, Lee! Qu'est-ce que t'attends? Allez! C'est fini pour toi! Tu vas te manier! Allez, allez, champion, termine ce bon rien! C'est qu'il est coriace, le flic. Qu'est-ce que t'attends?
Personne ne nous connaît. Si on se fait tuer, c'est dans l'anonymat. Tu trouves pas ça déprimant? Alors, quand serons-nous prêts à fabriquer la nouvelle CAM? Ça ne saurait tarder. Dès que nous verrons la floraison de cette tubéreuse. Je meurs d'impatience. En tout cas, c'est bien le sang japonais de notre mère qui coule dans tes veines. Savez-vous que la Marie-Lise produit 2 fleurs par tige? Et alors? Sur les 2, seule reste la plus forte et la plus belle. Dans le langage des fleurs, la Marie-Lise symbolise une profonde inimitié. Ah oui? Tu sais que tu me saoules, bon sang, tu vas te taire! Ce que je veux vous expliquer, c'est que pour obtenir une jolie fleur, il vaut mieux supprimer la plus faible avant que l'autre ne s'ouvre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mon cher frère, j'aimerais savoir quelles sont les fleurs que vous préférez. Je commence à m'énerver avec les fleurs! Dites-moi, serait-ce trop vous demander de manger proprement? Il faut que je vous dise que dans ce pays, grand frère, il est déconseillé de manger la bouche ouverte. Ah!
Vous êtes du genre à faire dans la dentelle. Qui êtes-vous exactement? Son frère était déjà mort quand je suis arrivé, mademoiselle. Katsuragi Akane, c'est ça? Qui vous a dit comment je m'appelais, hein? Monsieur Tachibana, vous n'avez pas l'air d'avoir changé d'avis. Vous n'étiez qu'un minable esclave dans cette entreprise. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Je suis prêt à financer vos recherches, votre prix sera le mien. Je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Je suis contre. Je refuse de vous aider à détruire des êtres humains. Oh. Mais je ne les détruis pas. Je ne fais que les aider à exploiter leur potentiel. Regarde, il ne pleut plus. On peut retourner dans le jardin. Ah ouais? Tu as vu comme elles ont poussé? Elles doivent sentir bon. Alors? Non! Ce sont des glaïeuls. Ils évoquent l'ardeur. Leur signification dans le langage des fleurs est... Faites très attention. Vous êtes un monstre! Je vous interdis d'étouffer! Montrez-vous raisonnable. Utilisez votre brillant cerveau pour réfléchir à mon offre. J'ai déjà tout réfléchi. C'est non! Nommé professeur des nouvelles recrues, promu premier maître, a travaillé pour la sauvegarde de la liberté pendant la crise du Moyen-Orient. Passe en cours martial pour désobéissance. Envoyé à la base de Norfolk pour purger sa peine. Amnistié suite à la demande du ministère de la Défense, Joe a rejoint Hagori Katsuragi de la police de Tokyo dans le cadre de l'opération spéciale A, portée disparue. Portée disparue ?
C'est un porte-bonheur qui m'a jamais quitté. C'est ma jeune sœur. J'aimerais savoir si vous l'autorisez à aller aux toilettes. Et que ça dure pas 3 heures. Qui va me rembourser, moi ? C'est douloureux ? Non, ça peut aller. Tu t'appelles comment ? Haruka. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu es sourd. Who are you? Est-ce que tu comprends au moins ce que je dis? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Haruka Tachibana. C'est grâce à lui, tu sais, que les méchants ils m'ont laissé tranquille. Je suis partie parce que je crois qu'ils ont tué ma maman. C'est un gentil monsieur, celui-là. Je te crois. Tu as faim? Ici, tout ira bien. Vous êtes en sécurité, sois tranquille. La petite Haruka n'a eu aucun mal à être adoptée par tous. L'usine désaffectée souterraine où il vivait était très calme. Ça changeait du chaos du monde extérieur. Ce type, Ken, devait être leur chef. Comment ça va? Ça va. Je peux savoir qui vous êtes? On est moitié taupe, moitié rat. Tu peux m'en dire plus? Ces crétins de gens d'en haut, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Et où sont vos parents? C'est très moche, ils sont tous morts. À cause du Blood Heat et de ces maudites arènes de la mort. Avec la crise économique, les dettes sont apparues. Pour échapper à cette réalité pourrie, nos parents sont devenus accros au Blood Heat. C'est comme ça qu'ils y sont passés les uns après les autres. Quant aux spectateurs des arènes de la mort, ils parient le peu qu'il leur reste sur les combats en espérant faire fortune. Des mecs bourrés de dettes et au chômage vont même jusqu'à emprunter à la famille Lai, en mettant leur assurance vie en gage pour avoir une petite chance de jouer. Les gagnants, ils foncent direct vers le paradis. Et les perdants, ils atterrissent en enfer. C'est comme ça qu'a fini mon paternel. C'est ici que les orphelins se retrouvent, dans l'obscurité des sous-sols, comme des taupes. Et pour les rats, c'est parce qu'on est plus nombreux de jour en jour, on se multiplie aussi vite qu'eux. Vol à la tire, piratage informatique, contrefaçon, tout ce qui peut nous permettre de survivre. Ça y est, j'en suis sûre. Je sais qu'il y a un rapport entre la disparition d'Aguri et l'arrêt de cette enquête. D'une, il a agi sans aucun ordre. De deux, il n'a réussi qu'à nous fournir une foule de cadavres. Je ne veux rien savoir. Mais pourtant, ce n'est pas la première fois que j'entends que c'est la famille Lai qui fabrique le Blood Heat. Tu n'as aucune preuve de tout ça. Un conseil. Tu devrais un peu moins te tracasser pour ton frère. Je te le dis juste comme ça. Quant à l'autre gars, dis-toi qu'il n'a rien d'humain. C'est un tueur, il ne sait plus faire que ça. La prochaine fois que tu le vois, tu dois l'abattre. J'espère avoir été clair. Tu voulais me voir? On est mal, Ken. Haruka et Joe sont recherchés par la famille Lai. Où avez-vous trouvé ces caisses? On les a récupérées dans l'usine souterraine. Et ce genre de truc, ça rapporte un max. Faut que je te cause. Faut que je sache ce que tu as fait. Ils font tout pour vous retrouver. J'ai aucune idée de ce qu'il y a eu, mais ce que je sais, c'est qu'on protégera la petite. En revanche, je te demande de quitter cet endroit aujourd'hui. Tiens, regarde ce que j'ai eu. Je comprends ton choix. Je vous confie, Haruka.
Compte sur nous. Allô? Je vous écoute? Akane? Vous êtes Joe? Joe Gino, c'est bien ça? Vous bossiez avec mon frère. Il faut que je sache. Vous êtes l'un des derniers à l'avoir vu. Dites-moi où je peux le trouver. Non, pas par téléphone. Vous étiez son porte-bonheur. C'est donc par cette mission secrète qu'il était si occupé ces temps-ci. Je n'étais pas au courant. Nos parents non plus n'étaient jamais au courant de rien. Quand il rentrait, il se comportait comme si tout était normal. Il disait « Je suis claqué. Je vais prendre une douche. » C'était mon coéquipier. Inspecteur Akane. Tu es bien comme ton frère, toujours en train de faire tes coups en douce. Commissaire Asakura, de quoi parlez-vous? Je t'avais donné l'ordre de l'abattre, il me semble. Oui, mais il travaillait avec mon frère contre la famille. Mais cerné. Dans ce pays, rien n'est gratuit. Tu es au courant du poids que peut avoir la famille Lai sur le gouvernement. Elle contrôle tout et je ne veux pas finir comme ton frère. Je vous écoute, c'est quoi cette histoire encore? Ce serait gentil de me dire si ça vous prend souvent. La mère d'Aruka vient d'être retrouvée dans une ruelle. Elle était morte. Quant à son père, il est ingénieur dans un laboratoire. Il bosse dans la recherche de nouvelles molécules. La société pour laquelle il travaille est devenue très intéressante. Son ancien propriétaire l'a mise en vente récemment. Et qui est le nouveau patron? Monsieur Kenji Lai. Je peux savoir pourquoi tu es revenu? Et celle-là, c'est qui? En plus, tu nous ramènes un flic, t'as un truc qui tourne pas rond. On est venu pour mettre la petite en lieu sûr. Quoi? En lieu sûr? Parce que tu crois qu'il existe un endroit sûr dans ce pays? Vous avez le droit de vous battre contre eux, vous êtes grand. Mais vous devez laisser la petite en dehors de ça. Leur influence ne s'arrête pas à Tokyo. C'est tout notre pays qu'ils gouvernent. Je t'ai dit que je la protégerai. Pourquoi vous vous faites autant de soucis? À partir de maintenant, elle est sous ma protection. Et lui aussi, je vais le protéger. Monsieur Lai vous attend. Allez, grouille-toi! Non, laissez-moi! Laissez-moi! On avait la trouille! Si on l'avait gardé, ils auraient débarqué un de ces quatre. Ah.
Haruka. Papa. Haruka. Bienvenue au paradis du jeu. Tachibana. Tout dépend de vous, via mon trésor. Parfois, il vaut mieux écouter son cœur. Et oublier tout raisonnement. Papa. Quel est votre plan ? Sauver le monde. Sauver le monde ? Non, seulement le détruire ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a accidentellement créé un produit merveilleux. 100 fois mieux que le Blood Heat. Tachibana, j'ai du mal à vous suivre. C'est une découverte fabuleuse. Vous avez réussi à accroître le potentiel du corps humain. Non ! Haruka ! Haruka ! Haruka ! Papa ! Papa ! Ta maman t'attend, tu sais. Non ! C'est d'accord ! Vous avez gagné ! Mais rendez-moi Haruka ! Je vous en prie ! Viens là. Sage décision. À nous, Joe. Je dois t'avouer que tu m'intéresses beaucoup. Pourquoi tu bosserais pas pour moi ? Ouais. C'est une excellente idée. Désolé, patron. Il va falloir que je vous tue. Tu m'intéresses à un point. Tu veux que je te dise ? Je vais te faire une promesse. Tu vas passer la soirée la plus dingue de ta vie. Ciao. La cassette.
tu tiendras encore moins longtemps que lui. Je te donne pas 10 secondes. Tu sais où il se planque, j'en suis certaine. Vous ne pourrez rien faire toute seule, ma grande. Tant que le monde continuera de se prosterner devant Kenji, il y aura de plus en plus d'enfants sans maison et sans parents. T'espérais me faire mal? Et maintenant, à moi de jouer. Ken, suis-moi! Grouille! Allez! Émane-toi! Vas-y, ne lâche pas! Continue! Encore! Plus fort! Qu'est-ce que t'attends? Et ne laisse pas te toucher! Tiens, là les autres taupes qui rappliquent. Mais que nouveau cet honneur! C'est plutôt rare de vous voir sortir de votre trou! Je parie que t'as la trouille. Tu voudrais être loin? T'attends quoi pour crever, Joe, hein? Jusqu'à quand tu crois pouvoir tenir comme ça? Tu vas crever! Tous avec moi! Crève, Joe! Crève, Joe! Allez, avec moi! Crève, Joe! 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 Crève! À quoi est-ce que tu joues, espèce de rat? Il y a une drôle d'odeur. C'est de la pisse que tu m'as envoyée. Allez, livre, rappelez au moins une fois. De toute façon, au point où j'en suis. Et merde. Allez, Joe. 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 Allez, Joe.
directeur Katsuragi voulait nous donner un coup de main. De quel genre? Je crois qu'il est grand temps que je retourne vivre à la lumière. C'est surtout eux qui en ont besoin. Tu peux me donner les transfos? Je suis larguée, vous comptez faire quoi? On est en train de leur concocter une jolie surprise. Akane, je compte sur vous. Je sais ce que j'ai à faire. Hiro et Takashi au conduit d'aération, Kazu et Taichi à la chaufferie. À la vôtre. Les autres avec moi. Ça va? Vous n'avez rien? Haruka, ça va, mon ange. Bon, il faut y aller maintenant. C'est bon? C'est bon? Allez, Magne! C'est bon, patron. Il n'y en a plus pour longtemps. Bonsoir tout le monde. Monsieur Lai, depuis toutes ces années, nous vivons dans la crainte par votre faute. Vous nous avez traités de façon inhumaine, comme des moins que rien. On croyait qu'il valait mieux vivre sans ambition sous terre, que ça nous empêcherait de nous faire tuer. Vous nous faisiez peur. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne compte plus fuir. Nous avons décidé d'agir dans notre intérêt. Je vous conseille de nous prendre très au sérieux. Ceci est une déclaration de guerre, Kenshi. Thank you.
Commissaire Asakura, pourquoi vous faites ça? Tu es vraiment entêté dans ton genre. Passe de l'autre côté. Viens me rejoindre. L'univers de la mafia est un monde fascinant. C'est à cause de petits merdeux comme toi que notre monde est devenu si ennuyeux. Et c'est à cause de pourriture dans votre genre que notre monde tourne à l'envers. Kenji, on devrait abandonner. C'est hors de question. Katsuragi, c'est toi? Hey, Joe! Tu voulais bien le revoir? Katsuragi, arrête! Ton pote a ressuscité. Miracle du Blood Heat. Ah!
Retour de la sœur adorée. Quelle surprise, c'est touchant. Reste où tu es! Ce n'est pas lui, ce n'est plus ton frère! C'est moi, Akane! Regarde-moi! Grand frère! Arrête! T'es dingue! Il faut que tu le lâches! Je t'en supplie, laisse-le! Gorille, écoute, il faut que tu le laisses s'en aller. Tu dois le lâcher. Arrête, tu m'as tué. Pourquoi tu fais ça? Écoute-moi, je suis ta sœur. Lâche-moi. Tu le reconnais. Souviens-toi. On n'était pas de galère. Je suis désolée. Grand frère.
Joe, ton esprit n'est plus que haine. C'est exactement ce que je voulais. Tu voulais que je te massacre ? J'attendais que ça. Assez parlé. Passons aux choses sérieuses. Alors, tu t'amuses bien, Joe. Pourquoi il faut que tu te battes, avoue-le, Joe? Pour te tuer! Tu fais erreur! C'est parce que tous les deux, on a ça dans le sang! Avoir du sang sur les mains, c'est ce qui nous fait tenir. Tuer ou bien être tué. Dis-moi, Joe. Dis-moi! Je suis pas comme toi. Ton grand cœur, c'est ton talon d'Achille. Ah! 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 Ce sont des gosses! Tirez pas! Je suis resté dans l'obscurité pendant un long moment. Pourquoi il faut que tu te battes? Avoue-le, Joe! Puis, du fond des ténèbres, il s'est adressé à moi. C'est parce que tous les deux, on a ça dans le sang! Mais contre qui nous battions-nous? Je n'ai toujours pas la réponse.
Par contre, il y a une chose que j'ai comprise. Je sais. Je sais pourquoi il voulait se battre contre moi. Il voulait découvrir qui il était réellement. Tu as la réponse ?